Radio pour l'UNESCO. Pour une culture de la paix. Tu vois, la personne, il sourit, sa façon de sourire. Il sourit parce qu'il veut la paix. Sa façon de marcher, il marche pour la paix. Sa façon de donner, aider, c'est pour qu'il y ait la paix. Je chante pour ces gens-là, pour qu'il y ait la paix. Oui, il est Totoko, bébé balala. Rencontre exclusive avec Emmanuel Hussenet, explorateur de l'Arctique, le 5 avril 2018 à Toulouse, pour Ondes Courtes. L'auteur du livre Robinson des Glaces nous parle de notre avenir climatique et du projet de rachat de l'île de Hans par tout un chacun pour alerter sur la fonte des glaces et les bouleversements climatiques à venir. Cette île serait la gardienne des dernières banquises pluriannuelles. Une île de 1 km² perdue au milieu des glaces qui n'appartient encore à personne. Ce pourrait être la sentinelle de notre avenir. On écoute tout de suite Emmanuel Hussenet, interviewé par Guillaume Sidom, une émission réalisée pour Ondes Courtes par Guillaume Petrocelli, Guillaume Sidom et Alexandra Josse. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Radio pour l'UNESCO et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Hussenet, guide polaire et écrivain et journaliste. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui avec nous aux assises annuelles des étudiants en développement durable à Toulouse. D'abord, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours ? Mon parcours, vous savez, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc ça peut être long, donc j'ai essayé de faire bref. Mon parcours, c'est... Je dirais quelqu'un qui n'aimait pas trop l'école, qui a voulu se créer sa vie par lui-même et qui voulait s'exposer aux réalités, connaître le monde. Donc je suis parti voyager, j'avais 19-20 ans. Et lorsque je me suis retrouvé dans les régions polaires, j'étais fasciné par ces lumières, par cet espace. J'ai eu l'opportunité de travailler assez rapidement pour une agence spécialisée qui s'appelle Grand Nord Grand Large. Et donc il m'a amené à encadrer des équipes, des expéditions dans toutes ces hautes latitudes et découvrir des endroits réservés à ces secrets où j'ai pu être témoin, notamment de l'existence de ces glaces et de leur fonte en particulier. Donc je me suis intéressé de près à la question du réchauffement climatique. Bon, c'est un peu saoulant souvent ce sujet-là, on entend souvent parler sans être capable de faire grand-chose concrètement. Moi sur les terrains, je me suis dit, on parlait de la disparition des glaces pluriannuelles, en fait, je veux dire les glaces qui recouvrent le sang glacial arctique et qui ont un rôle déterminant sur le climat de la planète. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je suis allé là-bas, sur la côte est du Groenland, d'abord apprendre à vivre sur une plaque de glace dérivante avec une équipe, les Robinson des Glaces, et après je me suis focalisé sur la zone encore plus reculée du détroit de Smith, c'est-à-dire au nord-ouest du Groenland, toujours avec la même idée, parler de ces glaces pluriannuelles, ces grandes glaces de mer qui sont en train de disparaître, les faire connaître, parce que très peu de personnes s'imaginent ce que c'est. Et surtout, déduire de ces expériences-là une philosophie, c'est dégager un certain regard sur le monde, sur soi-même, ce qu'on fait dans ce monde, où nous allons collectivement, et essayer de trouver une façon astucieuse d'essayer d'infléchir la tendance générale qui ne bouge pas beaucoup, il faut bien reconnaître. Pourquoi vous êtes devenu guide polaire, en fait ? Pour moi, c'était une façon de... C'était une façon de faire des études, parce que j'étais un peu rebelle, je dirais, ou incompatible, voilà, j'avais du mal. Mais j'avais néanmoins besoin d'un professeur, d'un ordre, de quelque chose d'un peu, si je puis dire, je suis un garçon, alors j'aimais bien les trucs un peu virils, et j'aimais bien me confronter physiquement à des choses, à des réalités, donc on ne va pas se confronter contre son voisin, quoi. Donc c'est de la nature, c'est un excellent espace pour se découvrir soi, savoir de quoi on est capable, et c'est un excellent professeur. Ce qui est intéressant avec la nature, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc c'est elle qui décide, et on survit à condition de savoir écouter. Et c'est la qualité de l'écoute qui fera la qualité de notre adaptation, de notre décision, et qui fera qu'on passera l'obstacle ou qu'on ne le passera pas. Et ceux qui réussissent sur ces territoires-là, ce ne sont pas forcément les plus costauds physiquement, ce sont ceux qui passent plus de temps à écouter et à réfléchir avant de prendre une décision, pour prendre la bonne décision.
J'ai été responsabilisé dans cette sorte de discipline par le métier de guide, parce que là, j'avais sous la responsabilité des gens. Et puis à chaque fois qu'on part en navigation là-bas, il y a un certain risque. Alors vous avez fondé l'association Robinson des Glaces. En quoi consiste-t-elle ? Eh bien, les Robinson des Glaces, c'était suite au grand déploiement d'enthousiasme populaire qui a traversé la France en 2007. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était un peu avant les élections présidentielles avec Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. C'était le pacte écologique de Nicolas Hulot qui a fait un tabac, il a fait beaucoup de bruit. Et la question de la survie de la planète faisait la une de la presse de Paris Match. Il y a plein de journaux en parlaient. On avait l'impression qu'on était tous prêts à changer et à prendre des vraies directions. Et ça a été le moteur du Grenelle de l'environnement organisé suite à l'élection de Nicolas Sarkozy. La préoccupation écologique et mondiale, enfin la survie de l'humanité, s'était imposée dans les actions présidentielles. Curieusement, depuis, elle a disparu. Il y a eu deux autres élections, on n'en entend plus parler. Bon, ça s'est peut-être amélioré tout seul, mais ce n'est pas forcément le cas. Dans ce concert de bonnes intentions, et j'y croyais d'une certaine façon, je crois, peut-être que j'étais naïf, et j'ai voulu apporter ma pierre en mettant au profit de cette dynamique l'expérience que j'avais du milieu polaire pour justement organiser ces dérives à l'est, sur glaciaire, en fait, sur la banquise, avec ce groupe d'aventuriers autour de l'association des Robinson des Glaces. Vous faites de l'île de Hans un emblème du changement climatique. Oui, l'île Hans, c'est venu après. En fait, cette histoire, si on parle de l'île, sur quoi je travaille aujourd'hui, l'idée s'est imposée à moi lorsque je me suis aperçu qu'en définitive, la nature, globalement, on en a parlé très bien, mais on n'en a pas grand-chose à faire, concrètement. Nous, avec les Robinson des Glaces, on a eu énormément de difficultés à financer nos expéditions. Moi, ça m'a coûté quand même un peu, c'est le peu que j'avais. Et du coup, comme ça, on n'ira pas loin. Je me suis dit, il faut trouver une idée plus puissante. Autant ce qu'on faisait, c'est intéresser la presse, les journalistes, France 3, tout ça. Les journalistes étaient très curieux. Je pense qu'ils ont fait leur travail. Mais derrière, pour que ça se traduise par une forme d'engagement, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, cet engagement, je me suis dit, il est possible, mais il faut raisonner autrement. Et il y a le destin d'une île me préoccupait en particulier. L'île Hans, c'est 1 km², en fait, c'est un caillou, il n'y a rien. Il ne faut pas imaginer y habiter, c'est battu par les vents toute l'année, les vents polaires. C'est à 1000 km du pôle nord géographique. Enfin, facilement des vents alors qu'il fait moins 40 degrés, moins 50 l'hiver, donc c'est absolument intenable. Et même l'été, ça passe légèrement au-dessus de zéro. Mais cette île, personne n'y va, il y a peut-être un brise-glace qui passe de temps en temps, une fois tous les deux ans peut-être. Et bien, elle a une particularité géographique, c'est qu'elle se trouve exactement sur la ligne de partage des eaux territoriales entre le Canada à l'ouest, donc le continent nord-américain, et l'Europe à l'est, le Danemark, c'est-à-dire le Groenland, qui est encore politiquement relié au Danemark, comme chacun sait. Et donc, c'est comme si cette île était à la frontière entre deux continents, l'Europe et l'Amérique. Sauf que comme les deux pays se sont séparés des eaux territoriales, ils ne sont pas séparés des territoires, donc ils ont fait le tour de l'île, et l'île est restée au centre, donc elle n'appartient à personne. Et elle se trouve au centre d'un chenal qui est étroit, qui fait 40 km. Et c'est là que les deux continents sont les plus proches l'un de l'autre. Le Groenland est vraiment tout près du Canada, à ce niveau-là. Par ce chenal-là circule le courant du Labrador, ce fameux courant, le grand courant marin, qui refroidit toute la côte est du continent nord-américain. Eh bien, ce courant, il prend naissance dans la mer de Lincoln. En fait, c'est une partie de l'océan glacial arctique qui se déverse, qui prend ce chenal de 200 km de long à le chenal de Kennedy, et avec cette île Hans au centre. Et je me suis dit, si on ne fait rien, pour reprendre une expédition assez commune, si on laisse en l'état la situation, c'est-à-dire si on laisse les deux pays se faire la guerre pour cette île, parce qu'il y a une guerre des drapeaux, quand il y a à la fois un drapeau canadien, un drapeau Danemark dessus, il faut le savoir, et danois dessus, et c'est toujours pas réglé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des ambitions économiques et industrielles. Voilà, on va exploiter le Grand Nord et l'Arctique quand les glaces auront terminé de fondre. Pour le moment, c'est pas possible encore. La nature est encore plus forte que l'homme sous ces latitudes. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais évidemment, ils se projettent dans la perspective d'un réchauffement majeur. Or, si ce réchauffement majeur a lieu, si on l'utilise pour exploiter les dernières ressources d'hydrocarbures, c'est qu'on n'a rien compris. Sauf qu'on est mort de chez mort. Donc, c'est une logique tout à fait absurde, funeste, et qui est la logique de l'humanité jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on découvre un nouveau territoire, qu'est-ce qu'on fait ? On y plante son drapeau. Depuis tout le temps, le capitaine Nemo faisait la même chose avec un grand N. Il plantait son propre drapeau, lui. Mais si on en est là, dans cette mentalité collectivement, on n'a pas compris grand-chose. Donc, l'île Hans, c'est simplement dire que l'intérêt commun
doit passer avant l'intérêt privé des nations, l'intérêt économique ou financier des nations, sachant que c'est un intérêt purement fictif, hein, c'est juste un fantasme d'exploiter ces régions-là. Mais c'est pour dire qu'au nom d'un fantasme, des pays sont capables de se battre pour ça, hein. Même pour, si pour le moment c'est qu'il y a un conflit diplomatique assez aimable, même s'il ne l'a pas toujours été. C'est pour dire qu'à ce fantasme-là, moi j'en appose un autre, j'essaie en fait, d'en apposer un autre, c'est-à-dire qu'il y a le fantasme de l'idée de l'intérêt commun, du bien commun. Et sachant que tous les territoires, comme la France, qui imaginent avoir un atout particulier parce qu'ils disposent de grandes surfaces de terre de cette planète, qui sont aussi des grands écosystèmes. La France dispose d'un grand écosystème dans l'océan Pacifique. Hein, comme chacun sait, c'est le plus grand domaine maritime du Pacifique. Donc il y a une responsabilité spécifique de la France là-bas, y compris aussi en Antarctique, les Kerguelen, enfin dans tous ces coins-là. Le Canada, ils ont une responsabilité spécifique sur les grands écosystèmes des glaces. En particulier de la banquise pluriannuelle, on a des glaces pluriannuelles. Donc lorsqu'on a une revendication territoriale, eh bien, il faut la penser dans le sens de la préservation de l'intérêt commun, ce qui passe par la préservation de ces grands écosystèmes parce qu'ils sont vitaux pour tous. C'est pour ça que du coup vous nous invitez à devenir un habitant de l'île de Hans. C'est plus symbolique finalement. Oui, oui. Alors pour le moment c'est vrai que c'est symbolique. Alors il y a un site internet qui s'appelle hansuniversalis.org. Il suffit d'inscrire son mail et puis d'attendre qu'il y ait des nouvelles qui arrivent, ce qui n'arrive pas très fréquemment en ce moment, mais bon, ça va reprendre. Et simplement pour se déclarer habitant virtuel de l'île, de manière où le jour où il sera question de discuter, parce que ce jour-là n'est pas encore venu, de la légitimité d'un pays ou d'un autre sur la souveraineté de cette île, il sera possible d'apporter l'argument de la légitimité de l'habitant de la planète. Voilà. J'habite la planète, j'ai une planète vivable, donc je veux qu'il reste des glaces là-haut. Donc si vous voulez ces territoires-là, il faut les en prendre en charge de façon responsable, parce qu'ils sont, pour moi, ils sont vitaux. C'est pas un caprice. C'est simplement de dire que cette île, elle peut être le symbole de cette démarche de le faire passer l'intérêt commun, mon intérêt aussi, avant l'intérêt de cette nation-là. Et l'intérêt de cette île, c'est que c'est qu'un caillou. C'est pas comme le continent antarctique où là, il y a des enjeux géostratégiques énormes. Là-bas, c'est local, en fait. C'est vraiment, je dirais, c'est rien du tout. Mais en même temps, c'est un symbole. Ça peut créer un précédent. Parce que c'est comme un défaut dans la cuirasse, voilà. Et on passe par ce défaut et on peut peut-être faire bouger les lignes. Enfin, c'est la tentative, en tout cas, qui est portée par ce mouvement, par cette démarche. Et à ce jour, concrètement, combien il y a d'habitants sur l'île de Hans qui se sont revendiqués, du coup, sur votre site internet ? D'habitants virtuels. Oui, 7 ou 8 000. Vous avez écrit donc en 2017 le livre Robinson des Glaces, hein, du même nom que votre association. Ce livre, c'est surtout un signal d'alerte. Quel message souhaitez-vous faire passer ? Aujourd'hui, le message est essentiel. Aujourd'hui, les constats, ils sont faits. Alors, on va les refaire. C'est-à-dire que les personnes qui doutent peuvent se renseigner, aller sur Internet, lire différents rapports. Hein. C'est simple. Hein. Je veux dire, c'est prouvé et reprouvé. On va vers quelque chose qui sera probablement même pas vivable, en tout cas pas tenable pour l'humanité d'ici 50 ans ou 100 ans, peut-être même moins. Voilà, c'est même plus une question de délai aujourd'hui. Donc il faut changer, mais on ne sait pas comment et on ne change pas. Ça c'est clair, c'est un autre constat. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui ? Alors moi je pense que simplement, si on a une chance, c'est bon, si on fout le monde en l'air, c'est quand même de par l'usage qu'on fait des énergies fossiles. Hein, elles étaient là depuis des centaines de millions d'années dans les strates géologiques de la Terre, de la planète Terre. Et on les en a sortis pour les expulser dans l'atmosphère et dans la mer. Ça a modifié la composition chimique de tout ça et ça a évidemment des conséquences. Ça aura des conséquences sur le long terme. Donc nous, ce qui nous reste, c'est notre énergie intérieure. C'est ce qu'on veut vraiment. Et de se dire, dans cet âge avancé de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut encore faire et qu'est-ce qu'on peut sauver, qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça en définitive. Et c'est l'histoire de cette quête, de ce voyage, c'est savoir qu'est-ce que je peux faire moi encore et identifier l'essentiel, le plus important. Et pour y arriver, eh bien, je crois qu'il faut avant tout s'exposer. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas en restant chez soi, en devisant et donnant son opinion, répondant au sondage. Ce n'est pas une question d'opinion de dire voilà, je suis pessimiste ou je suis ou optimiste par rapport à l'avenir de l'humanité, on s'en fout. Votre opinion, on s'en fout. Votez à droite, votez à gauche, faites ce que vous voulez. Vous pourrez aussi ne rien faire, c'est peut-être la meilleure chose à faire. En tout cas, si vous faites quelque chose qui vous engage entièrement, vous. Dans votre âme, parce que ça vous habite, c'est en vous, et vous pouvez pas faire autrement. C'est une urgence. Les gens qui sont entrés dans le maquis, hein, les résistants, ils n'avaient pas de salaire, ils n'avaient pas de sécurité sociale, et ils n'avaient pas de retraite non plus.
Leur retraite était peut-être être abattus comme des chiens contre un mur. Et ça pouvait arriver tous les jours. Il suffisait d'être dénoncé ou d'être pris, voilà. Mais ils savaient pourquoi ils le faisaient. Ils étaient fiers de faire ça et pourtant ils n'avaient rien. Et ils le faisaient et au péril de leur vie. Pourquoi sommes-nous capables de risquer notre vie? C'est ça la vraie question. Parce que conserver notre confort et la société, tout ira bien, développement durable, ça ne marchera pas. L'équation, ça ne fonctionne pas. La réalité économique ne va pas dans la même direction que la réalité physique, les paramètres physiques. L'énergie qui nous reste, c'est vraiment l'énergie intérieure, c'est celle qui nous déterminera à sortir de nos territoires de confort et aller au-devant du monde. Et on s'aperçoit que lorsque ça sort de nos territoires de confort, je dirais, prendre cette formule, ou de nos habitudes de consommation et tout le reste, eh bien, on vit mieux. Curieusement, on s'allège. On n'est pas plus malheureux. Vous savez, quelqu'un qui part en randonnée, même 2 ou 3 mois, qui fait le tour d'Europe à pied, il n'est pas spécialement malheureux. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de voiture, il n'a pas de moteur, il n'a même pas de gaz. Et sa survie, ça dépend de la générosité des gens qu'il va croiser. Il va peut-être faire un petit boulot à droite à gauche. Mais il est nomade, mais il se construit, mais il ne pèse pas. Donc, et il n'est pas malheureux pour autant. C'est-à-dire que quand on vivait sur nos morceaux de glace ou quand je pars là-bas, j'y vais pas pour être malheureux. Pourtant, il y a des contraintes physiques qui sont importantes que personne n'accepterait ici. Et j'en souffre pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est simplement le désir, c'est la volonté. Ce sur quoi on inscrit nos objectifs, nos fantasmes, de quoi on rêve exactement. Est-ce qu'on veut rêver d'une belle maison, avec tout ce qu'il faut, un emploi stable, et pour être sûr d'avoir la retraite? Si c'est ça, ben, le monde qu'on a aussi nous le permet encore. Mais l'enjeu aujourd'hui nous demanderait de faire tout à fait autre chose. Et l'histoire de l'humanité n'est que l'histoire d'épisodes où l'humanité a été obligée, forcée, d'être bouleversé à tout moment. Je veux dire qu'il y a eu des épisodes au XIIIe siècle ou même plus tôt avec des épidémies, enfin la peste noire, enfin des catastrophes épouvantables. La mort frappait à toutes les portes. Donc il y a eu des organisations, les gens ont tout refait à chaque guerre, à chaque mouvement, des guerres de Louis XIV, de Napoléon, tout le reste. Les gens étaient secoués. Les guerres de 14, c'est pareil. Les Allemands, enfin, arrivés en 40, ça a fait plaisir à personne. Hein. C'est des grands chocs qui ont fait appel à des énergies. Chacun. Et c'est toutes ces énergies, là, on les a, nous, c'est un potentiel qui est en nous, mais qui n'est plus du tout exploité et qu'on a peur de toucher et qu'on ne veut surtout pas toucher parce que malheureusement, faire les choses par soi-même, puiser dans ses propres énergies, ça ne fait pas tourner le commerce. Ça ne contribue pas au développement économique parce qu'on aura en définitive besoin de pas grand-chose. Donc, ce n'est pas très compatible avec le système dans lequel nous vivons. Donc le système, de toute manière, il s'effondrera à un moment ou à un autre. Je veux dire qu'il n'y a aucune civilisation n'est éternelle. Et aujourd'hui, bon, beaucoup de gens pensent à ces perspectives ou les étudient, hein, comme Pablo Servigne, avec un livre qui a bien marché, d'ailleurs, parce que ça, beaucoup de personnes s'intéressent à ces questions, qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ?», qui montre que notre civilisation moderne a les cinq critères de base, en fait, qui peuvent amener à l'effondrement des civilisations, sont présents aujourd'hui. Alors, certaines civilisations se sont effondrées pour un seul de ces critères, hein, déjà. Donc là, on en a cinq. C'est l'environnemental, hein, si on a plus de moyens de subsistance, politique, culturel, social, et santé publique, épidémie, etc. Donc, ces risques sont permanents. Ça peut claquer d'un moment à un autre, d'un côté ou d'un autre, ça peut entraîner le reste. On peut rattraper un incident, une crise économique peut être rattrapée jusqu'au jour où il y en aura une qu'on n'arrivera pas à rattraper. Et ça peut provoquer une sorte de réaction en chaîne qui va nous mettre dans difficulté, chacun de nous, dans nos habitudes, mais chacun, on n'y achètera pas. C'est comme une épidémie ou une guerre. Mais je pense qu'on va vers ce type de phénomène parce que la bonne foi ou le bon sens ne suffisent pas. Ça ne suffit pas d'essayer de sensibiliser à la nature ou aux éco-gestes, comme on dit, etc. C'est bien joli, mais le petit geste pour l'environnement, il faut des grands gestes aujourd'hui. En plus, les petits gestes, c'est réapprendre le béaba de ce qu'on n'aurait jamais dû oublier. En fait, après la guerre, les gens faisaient attention à tout. S'il faudrait apprendre à faire attention à ce qui est, et puis comprendre que chaque chose a de la valeur, c'est dommage. On a une civilisation qui jette tout. Au bout d'un moment, on ne pourra plus tout jeter, il faudra tout récupérer. De là de la prise de conscience environnementale, que faudrait-il faire selon vous pour endiguer la fonte des glaces? Pour la fonte des glaces, ça c'est une question intéressante parce que c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment.
Bon, on sent que les paramètres globaux par rapport à l'évolution du monde, on ne peut pas forcément faire grand-chose. En revanche, localement, on peut beaucoup, beaucoup agir à son niveau à soi, c'est-à-dire par le circuit court, par voilà, un certain, peut-être le retour à la terre ou à l'artisanat, enfin, à travailler de ses mains, à travailler avec les autres, d'autres systèmes d'échange. Voilà, il y a un tas de choses à faire localement, mais globalement, pour la fonte des glaces, il y a une possibilité technique qui est à l'étude, qui consisterait à retenir les glaces pluriannuelles dont je parle beaucoup, qui sont le sujet de mes derniers livres, et qui dérivent vers le sud, qui sont entraînées normalement par le courant en mer de Baffin, où elles vont fondre assez rapidement, malheureusement. En les empêchant mécaniquement de dériver vers le sud, en les maintenant au niveau du pôle nord, on aurait une chance de préserver une certaine surface de l'océan glacial arctique recouverte de glace en permanence. Parce que tel que c'est parti, d'ici 20 ou 30 ans, c'est fini, il n'y aura plus du tout de glace en permanence sur l'océan glacial arctique. Or, cette glace, comme on le sait, elle est vitale. Donc on peut-être éventuellement retenir ce phénomène-là grâce à l'île Hans, justement, qui a un pilier au centre, ou à l'intérieur de ce goulet, quoi. De chaque côté, il y a 18 km. Donc, il est peut-être possible, en tendant un filin flottant ou un câble flottant, de retenir cette dérive des glaces pour favoriser une reglaciation de l'océan glacial arctique, dans la perspective de sa déglaciation, en fait. C'est de maintenir une situation telle qu'elle existe. On ne modifie pas, en fait. La modification, elle arrive toute seule. Vous êtes ici aujourd'hui à Toulouse aux assises annuelles des étudiants en développement durable. Quel message et qu'est-ce que vous souhaitez apporter et dire à cette nouvelle génération? Avant tout, ne pas se voiler la face, ne pas se raconter d'histoire, regarder les choses en face. Il y a des chiffres, il y a des réalités. Bon, voilà. Et de faire le bilan de ce que là a été fait, a été capable de faire l'humanité présente par rapport au discours. On parle des COP21, l'engagement de Paris, etc. On voit que de toute façon, chaque année, l'humanité bat ses records d'émissions de CO2. Donc c'est pas la solution, mais bien chercher où est la solution. Et ne pas hésiter à se mettre en difficulté, à oser, à risquer. C'est important d'être mis à l'épreuve. Pour faire face à ce qui arrive, c'est une épreuve collective qui est aussi une épreuve personnelle. Et plus on anticipe cette épreuve, c'est-à-dire si, plus on s'engage dans des expériences qui vont nous nourrir, eh bien plus on sera apte à s'adapter et à faire en sorte que tout ne s'effondre pas, quoi, de sauver l'essentiel. Et la meilleure chose à faire, moi ce que je dis souvent, c'est d'aller chez Decathlon, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit où aller, Decathlon, mais en tout cas, s'acheter des chaussures de marche, un petit sac à dos, et marcher. Et ben, vous savez, je sais pas si vous connaissez Raon, là, il avait son coutelas, il faisait tourner et puis la direction, et puis il allait droit dans la direction. Et confier le destin de décider de sa vie et apprendre de tout ce qui nous arrive. Et à un moment où il faut fermer la porte de chez soi et se dire, voilà, je vais dans cette direction et je marche. Et je ne sais pas où je vais passer la nuit le soir. Pour moi, c'est ça l'aventure. C'est de ne pas savoir où on va dormir le soir. Parce que ce n'est pas le chemin qui est plus important que l'arrivée. Absolument. Absolument. Parce qu'en fait, ça, c'est le parcours qu'on appelle initiatique. Aujourd'hui, il n'y a plus de cheminement initiatique. Alors, auparavant, dans la plupart des sociétés, même au Moyen-Âge, il y avait toujours un passage, même l'apprentissage était initiatique pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on est jeune, on a besoin de se confronter au réel dur, à la nature et aux autres. Il y a cette confrontation nécessaire, sinon on ne peut pas se construire. Donc malheureusement, beaucoup de personnes échappent à cette sorte de confrontation parce qu'on est invité à ne pas trop... On fait des études, après on enquille sur un boulot, on part un peu en vacances. Mais vraiment, prendre des années sabbatiques, c'est très important. Plutôt 2 ans, il faut profiter d'avoir du temps. Et pour bien se former, et c'est surtout bien comprendre ce qui nous nourrit nous-mêmes, parce qu'on a 20 ans, on ne sait pas encore ce qui est vraiment fait pour soi. Moi, j'étais persuadé que j'étais fait pour autre chose que ce qu'on me promettait, ce qu'on voulait me vendre. Mais je ne savais pas exactement quoi. J'ai mis du temps, je trouvais aussi, j'ai compris vers 22, 23 ans. Et ça, c'était suite à des expériences. J'ai dû prendre des risques, j'ai dû dire non, je vais chercher par moi-même. Non à tout, on est un tout. Et on prend ses chaussures de marche et on y va en marche. De toute façon, vous quittez, même si vous habitez à Toulouse, vous avez en une journée de marche, vous êtes quitté à Toulouse, vous êtes déjà en lointaine banlieue, et vous avez frappé à la porte de quelqu'un, il y a quand même 90 chances sur 100 pour qu'ils ouvrent la porte, ils vous parleront, les gens vont pas vous lancer de pierre, vous dites vous marchez, etc. Vous aurez au moins un bout de prêt pour planter votre tente et avoir de l'eau. Et vous débrouillez comme ça, au bout d'un moment, vous avez rencontré des gens qui vous ont évité, vous avez découvert un tas de choses.
Et c'est comme ça qu'on se crée une expérience. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai même commencé ma carrière, si on peut dire, ma carrière polaire. J'étais gamin, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire plus tard. Je voulais me confronter à la nature et je dormais sur mon balcon. Jean-Louis Etienne, d'ailleurs, qui vient du Sud-Ouest, faisait la même chose. Tous, c'était cette marotte quand on était gamin. Hein, je sais pas, j'avais 11-12 ans. Et c'est ma façon de me distinguer, de me créer mon identité et me dire, oui, il y a tout ça, il y a ce monde que vous dites, mais je vois qu'il y a la nature à côté, il y a le ciel qui circule, il y a les nuages, il y a tout ça, et je veux être au contact de tout ça, parce que j'en viens aussi, je suis de la nature, on en vient tous. Et le fait de dormir dehors, c'est d'apprendre à vivre malgré tout, malgré le froid, justement, en dehors de ce confort, et ben c'est gratifiant. Pour un gamin, c'est extrêmement gratifiant, et on se construit comme ça, c'est un truc tout con, et finalement, on bousille la planète pour rien. Pour des conforts qui sont inutiles, qui nous détournent de la voie qui nous amène à nous-mêmes. L'hypothèse qu'on peut mettre, c'est qu'aujourd'hui, on a manque de repères au niveau du travail, manque de repères familiaux, manque de repères affectifs, et que déjà de quitter ces repères, c'est difficile, alors de tout remettre en cause, est-ce que c'est pas quelque chose de pas d'impossible, mais on va dire de compliqué aujourd'hui ? C'est vrai, c'est compliqué. Ça l'a toujours été, hein. C'est compliqué, mais je crois que ce qui fait la différence, c'est le désir. Qu'on veut vraiment vivre. Peu de gens vivent vraiment en définitive. Je crois qu'il faut avoir l'appétit d'avoir une vie intense. Si on n'a pas cet appétit, c'est sûr qu'on ne fera pas ce pas. Si on a cet appétit, eh bien on le fera. Mais ça vient d'une étincelle qui est en nous et elle ne se commande pas. Elle peut des fois se découvrir suite à une conversation, suite à une rencontre. Il y a tout d'un coup quelque chose qui va s'éveiller en nous. Parfois, il suffit de trois mots. Un gamin, c'est ce qui m'est arrivé, un prof de français qui, d'un coup, a fait créer un déclic. Et depuis, j'ai plus le même. Donc, les résultats scolaires ont chuté. Mais en même temps, je savais, je pressentais où je voulais aller. J'avais mon repère. Et la nature est un excellent repère. Et c'est quelque chose qui a... C'est vrai, il n'y a vraiment pas mieux. Et c'est beaucoup plus facile de trouver sa voie au milieu d'un désert qu'au milieu d'une foule. Quand je vois les jeunes qui se précipitent sur des concerts, sur des événements, etc., ils sont toujours en foule, entourés de bruit, etc. Enfin là, ils se font tatouer, ça correspond sans doute à quelque chose pour eux. Et pour moi, c'est un truc qui n'a pas de sens. Parce que l'enjeu de la vie, c'est déjà se trouver soi, et plus on est entouré comme ça, moins on se trouve. Il faut du silence, il faut de la solitude. Il faut de la solitude. Beaucoup de gens la découvrent suite à une blessure. C'est un long séjour à l'hôpital, par exemple. Voilà, ou un événement, ou une rupture. Alors, c'est dommage qu'il faille en arriver là. En principe, on ne devrait pas avoir en arriver là. Une discipline d'aide, ça devrait être le sens de l'éducation, de nous amener à faire ce travail de solitude. Et les gamins, plutôt de les emmener faire des activités à droite et à gauche, laisser les débrouiller tout seuls, ils savent très bien jouer tout seuls, ils vont dans la nature, etc. Même les enfants, ils ne jouent plus dehors. On jouait tout le temps dehors, donc j'avais ce contact, cet appétit, et j'avais une nostalgie du jeu enfantin, du jeu de dehors, d'être dehors. C'est pour ça que j'ai voulu aller là-bas. Et de savoir s'ennuyer peut-être aussi, quelquefois, parce qu'on a peur de ça, on a peur de l'ennui. Oui. Alors qu'en fait, dans l'ennui, et puis ça nous amène à trouver quelque chose, parce qu'on s'ennuie, c'est juste un moment à passer, l'ennui. Le désir, il y a un manque profond, on a tous un manque profond. Et on n'arrivera pas à le combler en se remplissant l'esprit de trucs superficiels. Aujourd'hui, il y a une grande fascination, notamment quand je vois à la télévision les petits clips, Plus belle la vie ou tout le reste, à chaque fois, c'est que des histoires de famille. Il n'y a rien dans le contenu. C'est censé être drôle, là, c'est rarement. Mais c'est surtout le cocon familial, on n'en sort pas. C'est-à-dire, et je me comporte même mal, je suis même pas dans une, on n'est jamais dans une recherche de culture, de connaissances, et jamais une recherche de l'autre, de l'altérité. Jamais dans le contact avec la nature, non, ni avec la science, ni avec la mer, ni avec l'autre, avec d'autres pays. En fait, on est dans cette bulle-là, et aujourd'hui, on a un monde médiatique qui nous enferme dans cette bulle-là, parce que c'est cette bulle-là qui consomme, malheureusement. On dit qu'il faut sauver la planète. Mais non, commencez déjà par sortir de votre bulle, et commencez à envoyer des images aux gens, qui soient des images qui permettent d'aller à l'extérieur, de s'ouvrir, de se cultiver, de mener notre vie d'être humain, qui est aussi une vie d'épreuves. Donc, nous arriverons à un moment ou à un autre, et on sera plus ou moins prêt à les affronter, ces épreuves, si on les a déjà préparées. Mais si on nous occulte tout, en nous enfermant dans une sorte de cocon semi-protecteur, à la fois de la société ou de la cellule familiale, on va nulle part, on tourne en rond, c'est creux. Quelles sont vos prochaines expéditions, justement, à venir ? Est-ce que vous avez prévu de voyager encore ? Pour le moment, non, je ne prévois pas de voyager parce que je l'ai fait beaucoup.
Pour vous dire, être totalement honnête, quand je vois un paysage polaire, je pense qu'aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que je suis parvenu à retourner sur le terrain depuis que j'ai fait mes petites choses là, dans le détroit de Smith, il y a un moment une certaine lassitude. Ce sont des déserts, c'est quand même dur, je sais ce qui m'attend. Et ces paysages, je les connais, je n'y aurai pas de véritable surprise. Donc j'apprécie davantage de rencontrer quelqu'un qui me dit « voilà, j'y vais, j'ai envie de découvrir ». Parce que ça me fait rêver depuis que je suis gamin et j'ai envie d'y aller. Et il va y avoir des émotions que j'ai eues moi et que je n'aurai plus. Je préfère que ce soit lui qui parte, que je parte moi. En revanche, moi j'ai 50 ans, hein, donc il y a un moment où je ne dis pas que je vais m'installer comme tout le monde. Mais il faut aussi que je vois les choses différemment, de façon plus durable et sur un ancrage. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'idée de l'île Hans, c'est l'idée de l'îlot de conscience, d'être conscient de ce qui se passe, et de l'îlot de responsabilité, c'est-à-dire qu'on est responsable à l'égard du monde. Et c'est d'appliquer ce concept à l'échelle locale, autour de moi, c'est de faire du lieu où je vis un îlot de responsabilité, c'est-à-dire que, d'être en interaction avec les autres, de parler de circuits courts, de production bio, ce genre de choses-là, qui sont des mouvements vraiment à la mode, hein, mais c'est pas simplement une mode, c'est un mouvement de fond très important. Ça montre à quel point qu'il y a cette prise de conscience et une volonté de cette génération actuelle, qui passe à partager encore à 100%, mais qui est vraiment, vraiment répandue, de se réapproprier son propre destin, parce qu'en fait, on est dans un monde, à la fois dans l'éducation, les messages qu'on reçoit dans tous les sens, qui nous a spoliés d'une part de nous-mêmes et de la part la plus essentielle, à la fois de ce qu'on est au fond de nous-mêmes et puis de notre propre capacité à subvenir nos besoins, alors que s'il n'y a pas les autres, s'il n'y a pas de pétrole, s'il n'y a pas l'énergie, tous ceux qui travaillent pour nous en permanence, on ne mange pas, quoi. On est quand même extrêmement dépendant d'un système. Donc la sécurité, l'avenir, il passe par gagner de l'indépendance. Et je trouve que ça, c'est intéressant comme démarche. On rappelle donc à nos éditeurs donc de Radio pour l'UNESCO que votre livre Robinson des Glaces, c'est aux éditions Les Arènes et qu'il va sortir en poche chez Pocket au mois de juin dans la collection Aventures humaines. Est-ce que vous avez un site internet pour finir où on peut retrouver des infos complémentaires et suivre votre actualité? Oui, c'est www.antsuniversalis.org. Voilà, Ants Universalis. Ants, c'est le nom de l'île, hein, c'est le nom d'un guide inuit. En fait, un guide groenlandais là-bas, c'est la première fois qu'on donnait à un lieu géographique le nom de quelqu'un qui n'était pas un blanc, qui n'était pas un explorateur. Voilà, c'était là. Merci beaucoup, Emmanuel Husnet, d'avoir nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous pour votre attention et votre écoute. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Radio pour l'UNESCO. Pour une culture de la paix.